Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous avez pu profiter de la belle journée. J'ai fait du yoga ce matin à la plage. Ah, ça faisait tellement du bien après 2, 3 jours de pluie. Et je suis ici au centre de yoga, bien sûr, à Saint-Eustache, me préparer. Vous voyez un petit peu, j'ai monté mes enseignes, je continue mes installations. Puis j'avais la porte ouverte, hein? Alors c'est ça, c'est un beau problème. Comme je dis souvent, dès que j'ouvre la porte, les gens viennent me voir. Quelqu'un qui est déjà venu aussi l'année dernière, puis qui m'a déjà réservé deux pantalons pour samedi matin. Elle va être là à l'ouverture. Donc oui, ça commence ce samedi 29 juin dès 9 h. On va ouvrir les portes. Et puis, ben oui, comme vous avez déjà pu voir, il va y avoir beaucoup de beaux vêtements disponibles. J'ai aussi, bien sûr, j'ai monté, il y aura un petit coin pour mon livre, un petit coin pour d'autres articles que j'ai cette année, nouveautés, des pierres, surtout en lien avec les chakras, là. Je ne veux pas m'ouvrir une boutique de minéraux, de cristaux et autres. C'est vraiment des outils très précieux que moi j'utilise depuis longtemps, que je connais les vertus, des petites choses pour purifier, harmoniser la maison comme des huiles essentielles, harmoniser la maison et nos propres énergies aussi. Je ne sais pas si vous les voyez ici, c'est ça, huile essentielle, Palo Santo, de la sauge, quelques pierres, cristaux, bracelets, bijoux, comme je vous disais, mais vraiment hein, très, très peu pour pouvoir vous offrir des beaux outils pour votre pratique à la maison. Alors, il y a aussi, vous avez peut-être aperçu mes autres stories ou mes autres publications, le nouveau petit coin, je peux même mettre de la lumière, de bulles, etc., qui n'est plus un petit coin comme avant, mais vraiment pas mal, tous les produits de bulles, etc., vont se retrouver là. On aura des tables, bien sûr, deux exposantes, une qui est déjà confirmée, non, trois finalement, une qui est déjà confirmée, Nancy de Magnolia, Pivoine et Magnolia, l'atelier Pivoine et Magnolia, pardon, qui fabrique de magnifiques bijoux, qui va être là samedi, et deux autres personnes que je vais vous annoncer sous peu, puisque c'est encore en train de se confirmer tout ça. Alors que ce soit là encore des huiles, des produits pour le bain, des produits pour les douleurs musculaires avec le phénix, ça c'est mon préféré, c'est le chouchou de pas mal tous les clients. Savon, shampoing, il y a des maintenant, bon, il y a des déodorants bien sûr, savon, chandelle, des baumes à lèvres, il y a un tonique là, pour la peau, un sérum apparemment qui est extraordinaire aussi. Et en dessous, les belles petites chandelles là, à la cire de soya qui sent toutes bon pour vraiment vous amener une petite touche très spéciale dans votre coin yoga et méditation. Voilà pour le petit tour que je voulais faire. Et l'autre bonne nouvelle, j'ai appris ça ce week-end puisque j'ai vu mes enfants pour la fête de la Saint-Jean, pour aller se promener aussi à Montréal. Toutes les occasions sont bonnes pour se voir de toute façon. Et c'est Erwan qui va chanter samedi. C'est Erwan qui fait l'ouverture comme chansonnier du marché public, donc le premier marché public ce jeudi. Jeudi, voyons, on est juste mardi, hein? Ce samedi, samedi 29 à 9 h. Alors, les rues sont piétonnes, hein? Vous vous souvenez, la rue est piétonne, tous les exposants sont là sur la rue Saint-Eustache et je suis vraiment choyée d'être en plein cœur. J'ai vraiment très hâte de vous revoir, de revivre cette fébrilité-là. Ah, j'allais oublier, j'ai pas fait mes petites notes. J'ai aussi vu, comme je vous dis, je croise tellement de belles personnes dans le cet stage. J'ai aussi vu ma graphiste Linda, qui est aussi la responsable du salon du livre indépendant, des auteurs indépendants, pardon. Et en discutant comme ça de la façon de faire les promotions de nos livres, de nos ouvrages, elle me suggérait quelque chose que j'ai trouvé vraiment une super bonne idée. J'ai beaucoup d'exemplaires de mon livre encore. Beaucoup parmi vous se sont déjà procurés. Et j'ai beaucoup de nouvelles clientèles aussi dans la région. Donc, j'ai décidé cet été, tous ceux qui feront leurs inscriptions pour les cours de l'automne, donc juste seulement avec leur montant d'inscription, auront droit en cadeau. Ils sont cachés là, mais ils seront mis plus en évidence. Auront droit en cadeau à mon livre-jeu avec les 32 cartes. Donc, c'est une façon de vous remercier aussi de votre fidélité, de vous encourager aussi hein, à pratiquer à la maison, que ce soit la méditation, l'écriture, que ce soit forcément le yoga, en vous offrant ce livre. Donc, tout l'été, toutes les personnes qui viendront en boutique s'inscrire auront droit
à leurs livres et cartes de jeu accro du yoga. Alors voilà la petite annonce d'aujourd'hui, le petit cadeau que je vais vous faire cet été pour vous encourager, vous supporter dans vos pratiques. Alors sur ce, je continue, il fait assez chaud, j'ai encore quelques vêtements à placer et on se voit samedi, soyez là en très grand nombre samedi dès 9h. Bye bye!